Alors, avis de convocation à la séance ordinaire du 23 septembre 2024 à M. le maire Marc Lorrain et aux conseillers M. Marc Lefrançois, M. Jesse Croteau, Mme Michèle Bernard, Mme Mireille Thibault, Mme Sylvie Boulay et Mme Gabrielle Brisebois. Le projet d'ordre du jour suivant vous est proposé. Bonsoir tout le monde. Merci à ceux qui sont présents. C'est notre première séance de l'automne. On a commencé cette semaine. Les journées sont courtes. Alors, merci pour que vous êtes déplacés. Donc, j'invite Marc Lefrançois pour procéder aux éléments de début de rencontre. Donc. Alors, aujourd'hui, le 23 septembre, je propose d'accepter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 23 septembre tel que présenté. Et concernant le point 4, il y a le 3, les procès. L'approbation du procès verbal, excusez-moi, monsieur le maire. Je propose aussi d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du 26 août 2024. Les membres du conseil déclarent avoir reçu copie du dit document procès verbal conformément à la loi et en conséquence déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Le point 4. Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 17 septembre 2024. Je propose de prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 17 septembre 2024 et d'autoriser les services municipaux et intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Pour ces trois point-là, je vais demander un appui. Je vais appuyer, monsieur le maire. Oui. Oui. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. 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 Merci. Donc, je vais procéder au dépôt des documents, comme je le fais à chaque rencontre. Il y en a quatre. Le dépôt du rapport des dépenses autorisées, donc pour la période qui se terminait le 19 septembre 2024. Aussi, toujours pour la même date, donc le dépôt de la date de la liste énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général. Et aussi le dépôt du registre énumérant les occupations du domaine public. Ensuite, le dernier dépôt, c'est le certificat des personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1305 décrétant une dépense et emprunt de 518 110 $ pour l'acquisition de terrain. Donc, maintenant, on va procéder avec les différents dossiers du service des finances et j'invite Michèle Bernard à faire les résolutions 9 à 11. Bonsoir tout le monde. Donc, au point 9, c'est un emprunt temporaire d'un montant maximal de 300 000 $ le règlement numéro 1309. Cet emprunt est en lien avec l'entente négociée avec la MRC pour les boues de séchage. Donc, considérant que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a approuvé le 28 août 2024 le règlement numéro 1309 décrétant une dépense et un emprunt de 300 000 $ pour la construction de la fosse, l'achat du conteneur et sa modification et l'achat du dégrilleur rotatif, considérant la nécessité de contracter par résolution un emprunt temporaire pour le paiement total des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt, je propose d'autoriser un emprunt temporaire auprès de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny d'une somme maximale de 300 000 $, laquelle somme représente 100 % du montant de l'emprunt approuvé par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation à l'égard du règlement numéro 1309. Donc, je vais demander tout de suite un appuyeur pour ce point. Je vais appuyer, monsieur le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, oui d'accord. Oui. Donc, au point 10, un mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de carburant en vrac. Considérant que la ville de Montmagny présente une demande d'adhésion à l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, de joindre son regroupement pour un achat regroupé de différents en vrac, de différents carburants. Considérant que la Ville de Montmagny désire participer à cet achat regroupé pour se procurer les carburants dans les quantités nécessaires pour ses activités et selon les règles établies au document d'appel d'offres préparé par l'UMQ, je propose que la Ville de Montmagny joint
le regroupement d'achat de l'UMQ pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2028 pour assurer son approvisionnement en différents carburants nécessaires aux activités de notre organisation municipale. Un contrat d'une durée de 3 ans sera octroyé selon les termes prévus au document d'appel d'offres et des lois applicables. Que la Ville de Montmagny confie à l'UMQ le pouvoir de bénéficier au nom de l'option de renouvellement prévue au contrat de prendre la décision en son nom. Que la Ville de Montmagny s'engage à respecter les termes et conditions du dit contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé. Donc, également pour ce point, je vais demander immédiatement un appuyeur. Je vais appuyer. Merci, Mme Boulay. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Donc, j'en arrive au point 11, qui est l'approbation de dépenses et de contributions. Donc, ce sont des autorisations de paiement. Considérant la décision des membres du conseil municipal d'accorder les subventions de contribuer à des projets qui leur ont été soumis par divers organismes à but non lucratif, je propose de confirmer le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif selon les modalités pour les activités ou raisons ci-après décrites. Donc, nous avons la Fondation Jeunesse de la Côte-Sud pour un super bénéfice au Centre Bombardier de la Pocatière le 19 octobre prochain, donc au total 80 $. Une autre contribution au Sommet international de l'innovation en ville médiane. C'est un Sommet international de l'innovation en ville médiane à Montmagny du 8 au 10 octobre 2024. Inscription du maire et de 4 élus, 153 $ plus taxes. Donc, à l'Union des municipalités du Québec, conseiller. Sommet sur la démocratie municipale, Hôtel Le Concorde, Québec, le 17 octobre 2024, 375 $ plus taxes. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny, achat de 4 cartes pour le gala Prestige des Jardins le 7 novembre 2024, donc 780 $ plus taxes. Au Cercle des fermières de Montmagny, c'est une commandite pour leur congrès régional de la Fédération de Bellechasse et de Chemin Montmagny, qui souligneront leur 100e anniversaire ici à Montmagny du 1er au 3 mai 2025 pour la somme de 500 $. La Fondation du Cégep de la Pocatière, 25 bourses de 100 $ aux étudiants du Centre d'études collégiales de Montmagny pour la somme de 2 500 $. La Société d'histoire de Montmagny, Québec, 59e édition du congrès du 1er mai au 1er juin 2025. C'est pour une somme de 2 000 $. Et pour la cérémonie de remise du certificat de reconnaissance municipalité amie des enfants, c'est pour les frais de représentation pour 2 représentants de la ville à Deschambault-Grondines. Donc, d'autoriser en conséquence le paiement des dépenses entourant la participation des membres du conseil concernés aux dites activités. Donc, j'appelle un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. Maire. Merci, Mme Brisebois. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, oui. D'accord. Oui. Donc, j'invite Mireille Thibault à procéder au dossier du greffe. Alors, merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, le point 12, l'acceptation de la liste des taxes foncières impayées et ordonnance de vente à l'enchère publique pour défaut de paiement de l'impôt foncier le 12 novembre 2024. Alors, considérant que, conformément aux dispositions 511 et suivantes de la loi sur les cités et villes, la Ville de Montmagny a le pouvoir de procéder à une vente à l'enchère publique des propriétés dont les taxes sont impayées. Considérant que le trésorier a dressé un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes foncières imposées n'ont pas été payées pour les années 2023 et antérieures, je propose d'accepter l'état dressé par le trésorier en date du 20 septembre 2024, indiquant les immeubles sur lesquels les taxes foncières municipales imposées n'ont pas été payées pour les années 2023 et antérieures, d'ordonner à la greffière ou à l'assistante greffière de procéder le 12 novembre 2024 à 10 h dans la salle du conseil de la Ville de Montmagny située au 143 rue Saint-Jean-Baptiste-S à Montmagny
à la vente à l'enchère publique des propriétés situées sur le territoire de la ville de Montmagny, dont les taxes foncières municipales et scolaires sont dues pour les années 2023 et antérieures, dont le solde est supérieur à 100 $ et pour lesquelles aucune entente de paiement n'a été conclue. D'autoriser que la vente aux enchères s'effectue simultanément à distance, conformément aux articles 512 et 512.1 de la Loi sur les cités et villes, afin de permettre aux personnes intéressées d'assister par vidéoconférence et d'enchérir à distance sur les propriétés pendant la vente. Les personnes intéressées à participer à la vente par vidéoconférence devront procéder à leur inscription auprès de la greffière ou de l'assistante greffière de la ville avant le vendredi 8 novembre à 12 h pour obtenir un lien de connexion. Point 13, dans le même sujet, alors on veut donner l'autorisation au directeur général à enchérir pour et au nom de la ville de Montmagny lors de la vente à l'enchère publique pour défaut de paiement de l'impôt foncier la date du 12 novembre prochain. Alors je propose d'autoriser le directeur général de la ville de Montmagny à enchérir et acquérir pour et au nom de la ville de Montmagny tout immeuble jugé utile mis en vente lors de la vente à l'enchère publique se tenant le 12 novembre 2024 des immeubles dont les taxes foncières municipales et scolaires demeurent impayées. Compte tenu de ces sujets, je demanderai un appuyeur immédiatement. Je vais appuyer, M. le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. 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 Point 14. Nomination d'une perceptrice des amendes à la Cour municipale. Je propose donc de demander au ministère de la Justice du Québec que Mme Dominique Lapointe soit désignée perceptrice des amendes au nom de la Cour municipale commune de la ville de Montmagny. Le point 15. Libération du fonds de garantie en assurance bien du regroupement Bécancour pour la période du 1er avril 2015 au 1er avril 2016. Alors, considérant que la ville de Montmagny est titulaire d'une police d'assurance émise par l'assureur AIG Canada et que celle-ci couvre la période du 1er avril 2015 au 1er avril 2016, considérant qu'un fonds de garantie d'une valeur de 209 998 $ fut mis en place afin de garantir ce fonds de garantie en assurance des biens et que la ville de Montmagny y a investi une quote-part de 18 341 $ représentant 8,73% de la valeur totale du fonds, considérant que l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur touchant la dite police et le dit fonds de garantie en assurance des biens ont été traitées et fermées par l'assureur, considérant que la ville de Montmagny confirme qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par la police d'assurance émise par l'assureur AIG Canada pour la période du 1er avril 2015 au 1er avril 2016, pour laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être engagés, considérant que la ville de Montmagny demande que le reliquat de 192 102 $ 94 du dit fonds de garantie en assurance des biens soit libéré, considérant qu'il est entendu que la libération des fonds met un terme aux obligations de l'assureur à quelque titre que ce soit, exception 7 de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédent du dit fonds de garantie en assurance des biens. Je propose finalement d'obtenir du courtier BFL Canada une lettre confirmant qu'il autorise l'Union des municipalités du Québec, en tant que mandataire du regroupement Bécancour, à libérer le fonds de garantie en assurance des biens pour la période du 1er avril 2015 au 1er avril 2016, d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement Bécancour dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Je demande un appui pour ces deux résolutions. Je vais appuyer, M. le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, pour les résolutions 16 à 19, j'invite Gabrielle Brisebois. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Donc, pour la résolution 16, c'est l'adoption d'une politique de toponymie et de commémoration. Vous savez, la ville, les villes en général ont juridiction pour désigner les noms de lieux, puis on est responsable de la dénomination d'une multitude d'entités géographiques, comme les rues, les chemins, les bâtiments publics, les parcs. Puis, ponctuellement, mais la ville reçoit des demandes pour nommer en l'honneur de ou en mémoire de. Puis, pour être en mesure de traiter ces demandes-là, puis également parce qu'il y a des nouvelles rues qui s'ouvrent annuellement,
Bien, on a pris la décision de se doter d'une politique de toponymie, qui va aussi inclure un comité qui va être constitué de différentes personnes qui ont un intérêt ou une compétence en histoire et patrimoine pour être capable de nous appuyer dans les décisions qu'on prend. Parce que quand on donne le nom d'une rue ou le nom d'un bâtiment, mais c'est quelque chose qui perdure dans le temps. Donc, ça ne peut pas nécessairement se faire à la légère. On veut le faire en respect des demandes qui nous sont faites. Puis, on veut être appuyé par les bonnes pratiques, entre autres, de la Commission de la toponymie du Québec. Donc, voilà, avec un grand travail de fond qui a été fait par l'administration municipale, on vous présente cette nouvelle politique qu'on adopte ce soir qui va permettre de nous outiller dans les prochaines années pour trouver collectivement les meilleurs noms pour désigner nos différentes appellations municipales. Donc, je vous propose ce soir d'adopter cette politique de toponymie et de commémoration, laquelle nous permettra de désigner nos lieux, bâtiments et rues selon différents critères d'analyse qui guideront les recommandations du comité de toponymie et les décisions du conseil municipal au final. Voilà pour le point 16. Au point 17, bien, c'est une autorisation de signature, une entente avec la MRC de Montmagny pour la disposition des bouts sanitaires, des fosses septiques, des résidences isolées vidangées par la MRC dans les infrastructures de lits de séchage de la ville. Donc, le titre en dit quand même un gros morceau. On a une nouvelle infrastructure qui sont les lits de séchage depuis quelques années qui nous permettent d'évacuer nous-mêmes nos bouts au lieu de donner le contrat à l'externe, ce qui est une économie substantielle, en plus d'avoir une diminution au niveau de l'impact environnemental parce qu'il y a beaucoup moins de camionnage. Puis, les employés de la ville ont maintenant assez d'expertise pour pouvoir offrir ce service-là à la MRC. Donc, nous, ça nous permet d'optimiser notre infrastructure, puis de récolter l'argent que la MRC donnait à un promoteur, à un entrepreneur privé qui faisait le transport à l'extérieur de la MRC. Donc, les bouts seront dorénavant conservés. Tous les bouts de fosses septiques de la MRC vont être conservés sur notre territoire. Nous allons les traiter. Puis, le sujet de ce point-là, bien, c'est d'autoriser la signature de cette entente-là entre la MRC puis la ville de Montmagny, selon les modalités qui ont été déterminées pour que ce soit gagnant-gagnant. Donc, la ville va pouvoir optimiser ses infrastructures, puis la MRC va avoir un coût de travail qui va être très raisonnable pour les prochaines années. Puis en passant, mais j'en profite pour dire là, que le point 9, où il y avait un emprunt de 300 $, bien, c'était pour... 300 000. De 300 000, oui, merci Mireille, était vraiment pour venir finaliser les besoins techniques de cette entente-là. Donc, on a besoin d'un bâtiment pour loger les bouts en attendant de pouvoir les sécher. Puis, il y aura un point tout à l'heure qui concerne l'engagement d'un nouveau technicien des eaux, mais ce sera également dans le cadre de cette entente-là. Donc, ce sont des sous qui sont investis, mais qui seront repayés par cette entente entre la ville et la MRC. Donc, la MRC payera la ville pour pouvoir disposer de ces bouts de manière plus environnementale. Donc, considérant que la MRC, dans la résolution qu'elle avait elle-même adoptée le 10 septembre, a été autorisée à signer l'entente à intervenir avec nous, c'est notre tour maintenant d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la ville de Montmagny une entente avec la MRC de Montmagny dans le but de définir les modalités et les conditions relatives à la disposition des bouts dans les infrastructures de lits de séchage de la ville. Au point 18, cession d'infrastructure par... 9448-56-12 Québec incorporé à la ville de Montmagny. Donc, je vais lire les chiffres, puis par la suite, je vous explique ce qu'il en est. Donc, je propose donc que la ville de Montmagny acquiert de l'entreprise 94-48-56-12 Québec incorporé par voie de cession libre de toute hypothèque publiée ou non, redevance, priorité ou charge quelconque, ce qui suit, à savoir. Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 6 624 161. Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 6 624 166. Un autre immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 624 181. Et un autre désigné comme 6 624 188. Un autre immeuble connu et désigné comme le lot 5 613 001 et un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 5 613 002.
le tout sans bâtisse, mais avec circonstances et dépendances, et que la cession de ces immeubles s'effectue en conformité avec l'entente relative à des travaux municipaux développement des écoliers, signée par la Ville de Montmagny et 94-48-56-12 Québec incorporé, en date du 28 juin 2022, ainsi qu'en conformité à tout amendement à cette entente. Et finalement, d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny tout acte et document requis pour ce dossier de cession, à accepter les clauses usuelles, à négocier tous les amendements requis et à signer tout autre document nécessaire afin de donner effet aux présentes. Donc, si on vulgarise tout ça, c'est que le développement des écoliers, bien, les rues sont faites. Donc, les rues étaient à faire par le promoteur. Puis, une fois que les rues étaient faites, bien, la Ville en prend possession pour que ça devienne des voies publiques, finalement. Donc, c'était un... C'est ça, en gros, la résolution. Et finalement, au point 19, autorisation de signature. Donc, je propose d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny une promesse d'achat et de vente pour les lots 6 525 755, 6 525 749, 6 525 754 et 6 525 756. Tous les actes et documents requis pour ce dossier, à accepter les clauses usuelles, à négocier tout amendement requis et à signer tout autre document nécessaire afin de donner effet à la présente. Donc, ça fait suite à la résolution qu'on avait prise pour un emprunt pour l'acquisition des terrains à l'est du camping. Donc, on est rendu à négocier les clauses pour la promesse d'achat. Donc, pour les résolutions 16, 17, 18 et 19, je vais avoir besoin d'un secondaire, s'il vous plaît, M. le maire. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, M. Lefrançois. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. 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 Donc, j'invite M. Jesse Croteau à poursuivre avec les dossiers de loisirs, culture et vie communautaire. Merci, M. le maire. Donc, bonsoir à tous. Le point 20, c'est l'autorisation pour le Club Lyon de Montmagny pour une activité de stop payant, édition 2024, le 12 octobre prochain. Considérant que l'activité stop payant est une activité de financement permettant à l'organisme Club Lyon de Montmagny d'avancer des fonds au bénéfice d'un organisme à but non lucratif œuvrant dans la communauté de la Ville de la Montmagny. Je propose donc d'autoriser le Club Lyon de Montmagny à tenir une activité de financement stop payant de 9h à 16h à l'une des journées suivantes selon les conditions climatiques, soit le samedi 12 octobre ou le dimanche 13 octobre aux endroits suivants, soit à l'intersection de l'avenue de la Fabrique et de la rue Saint-Louis, donc au Port Boulanger, à l'intersection de la rue Saint-Jean-Baptiste Ouest et du chemin des Poiriers, et à l'intersection de l'avenue du Bassin et du boulevard Taché-S, et ce, dans les mesures où la circulation automobile n'est pas obstruée et que l'organisme est doté des assurances responsabilité civile nécessaires. Que les fonds amassés lors de cette activité stop payant soient remis au programme PAIR, lequel a pour objectif d'offrir gratuitement aux personnes abonnées un service d'appel automatisé quotidien afin d'assurer leur sécurité. Donc, c'est important de mentionner que c'est le seul organisme à Montmagny qui est autorisé à faire les stops payants, vu l'historique là, de cette activité avec le Club à Lyon. Et c'est selon l'entente avec le service des loisirs. Donc, c'est le service des loisirs qui propose un organisme au Club à Lyon. Et c'est pour ça qu'on autorise seulement le Club à Lyon pour cette activité de stop payant. Donc, je tenais à le préciser. Le point 21. C'est l'autorisation du domaine public pour le Festival de Loi Blanche les 12 et 13 octobre 2024, considérant la 52e édition du Festival de Loi Blanche qui se tiendra du 10 au 14 octobre, considérant les deux journées familiales auront lieu à la place Montel ainsi que dans les lieux à proximité le samedi 12 octobre et le dimanche 13 octobre de 10h à 16h, considérant qu'à des fins de sécurité, certaines rues doivent être temporairement fermées à la circulation automobile pendant l'activité. Je propose donc d'autoriser le Festival de Loi Blanche à utiliser la scène publique de la place Montel ainsi que les terrains appartenant à la Ville de Montmagny dans le périmètre désigné au plan déposé le samedi 12 octobre et le dimanche 13 octobre de 10h à 16h pour la tenue des d'activités familiales. D'autoriser le 12 et le 13 octobre la fermeture des rues suivantes, le tout conformément au plan déposé par l'organisme. Que la présente autorisation soit conditionnelle à ce que la fermette soit située à un endroit facilitant le nettoyage des lieux à la fin de l'événement, à l'exception des espaces gazonnés. Excusez-moi. Le point 22. Autorisation au comité organisateur de la Grande Marche à Montmagny, le Grand Défi Paix à la Voix, utilisation du domaine public
et interdiction temporaire de la circulation le 19 octobre 2024. Considérant que la ville de Montmagny, à l'instar de plusieurs autres municipalités et dans le cadre de sa démarche visant à encourager les saines habitudes de vie, emboîte le pas en participant à l'événement La Grande Marche du Grand Défi Pierre Lavoie. Considérant que les Enfants de cœur et le groupe de médecine familiale et la Société de développement économique nous ont signifié leur intérêt à s'impliquer dans l'organisation de cet événement, je propose donc d'autoriser le comité organisateur de la Grande Marche de Montmagny à utiliser le réseau routier de la ville de Montmagny le samedi 19 octobre entre midi et 16 heures pour la tenue de la marche selon le tracé joint à la présente résolution, d'assurer au comité organisateur le soutien technique des services municipaux concernés, sous forme de prêts d'équipement et de main-d'œuvre selon leur disponibilité pour la réalisation de cette activité selon les besoins du comité. Donc, monsieur le maire, pour ces trois résolutions, je vais demander un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, merci, monsieur Breton. Je vais appuyer, monsieur le maire. Merci, madame Thibault. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, on en arrive au dossier des ressources humaines et j'invite madame Boulay. Merci, monsieur le maire. Alors, bonsoir tout le monde. À la résolution numéro 23, c'est l'engagement au poste de col bleu d'un technicien en gestion des eaux. Considérant la recommandation du comité de sélection à la suite du processus de recrutement pour l'engagement d'un candidat au poste de technicien en gestion des eaux, je propose d'engager M. Yvan Bérubé au poste de technicien en gestion des eaux au service des travaux publics et des infrastructures à titre régulier, temps complet, au salaire et aux conditions prévues à la convention collective de travail des cols bleus en vigueur de la ville de Montmagny. Et cet engagement prend effet à compter de la présente résolution. Alors, comme ma collègue vous l'a partagé tout à l'heure, c'est un poste là, qui va être aussi en partenariat avec la MRC de Montmagny. Excusez. La résolution numéro 24, c'est la mise à jour de la banque de salariés occasionnels pour l'école bleue. C'est un poste de technicien au traitement des eaux aussi qui va être ajouté sur notre liste de salariés occasionnels. Considérant qu'il y a lieu de mettre à jour la banque de salariés occasionnels col bleu au service des travaux publics et infrastructures, afin d'ajouter un candidat pour le poste de technicien en traitement des eaux, conformément à la convention collective des cols bleus, considérant les recommandations du comité de sélection, je propose de mettre à jour la banque de salariés occasionnels col bleu au service des travaux publics et infrastructures, en ajoutant la personne suivante pour occuper le poste de technicien en traitement des eaux. Il s'agit de M. Étienne Briand-Girard et d'autoriser l'appel de ce candidat afin d'effectuer le remplacement occasionnel et temporaire ou pour répondre à des surcroîts occasionnels de travail. Pour ces deux résolutions, je demanderai un appuyant, s'il vous plaît. Je vais les appuyer, M. le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Alors, je poursuis, M. le maire, oui. Concernant les dossiers publics et infrastructures. Le point 25, ça concerne la reconduction d'un contrat, c'est-à-dire la location d'un tracteur essouffleuse et d'un tracteur avec gratte industrielle. Considérant que le devis pour la location d'un tracteur avec gratte industrielle et la location d'un tracteur et d'une souffleuse industrielle prévoit la possibilité d'exercer une option de reconduction pour l'année 2024-2025. Considérant que la ville de Montmagny est satisfaite du service et souhaite renouveler le contrat pour une période d'un an, je propose de reconduire le contrat octroyé à l'entreprise Bossé et Frères, Inc. pour la location d'un tracteur avec une gratte industrielle et la location d'un tracteur et d'une souffleuse industrielle pour une période additionnelle d'un an, c'est-à-dire soit pour l'hiver 2024-2025, au prix de $51,968.70, taxes incluses, conformément à la soumission déposée par cette entreprise. Le contrat est reconduit aux mêmes conditions que lors de son adjudication par la résolution 2023-333. Alors, je poursuis avec la résolution numéro 26. On est dans la reconduction d'un autre contrat, c'est l'entretien hivernal du dépotoir à neige usé pour l'hiver 2024-2025.
Considérant que le devis pour l'entretien du dépôt à neige usé prévoit la possibilité d'exercer une option de reconduction pour l'année 2024-2025, considérant que la Ville de Montmagny est satisfaite du service de l'entreprise et souhaite renouveler le contrat pour une période d'un an, je propose de reconduire le contrat octroyé à les entreprises JFE Inc. pour l'entretien du dépôt à neige usé pour une période additionnelle d'un an, soit pour l'année 2024-2025, au prix de 0,798 par mètre cube, taxe incluse, conformément à la soumission déposée par cette entreprise. Le contrat est reconduit aux mêmes conditions que lors de son adjudication de la résolution 2023-332. Alors, le point 27, c'est la reconduction d'un contrat. C'est pour l'entretien des chemins en période hivernale pour l'hiver 2024-2025. Considérant que le devis d'appel d'offre pour l'entretien des chemins sur le territoire de la ville en période hivernale prévoit la possibilité d'exercer une année d'option pour la saison hivernale 2024-2025. Considérant que la Ville de Montmagny est satisfaite du service des entreprises et souhaite renouveler le contrat pour une période d'un an, je propose de reconduire le contrat octroyé à l'entreprise Martin Mercier Inc. pour l'entretien des chemins sur le territoire de la Ville en période hivernale pour une période additionnelle d'un an, soit pour la saison hivernale 2024-2025, au prix de 517 387,68 $, taxes incluses, conformément à la soumission déposée par cette entreprise. Le contrat est reconduit aux mêmes conditions que lors de son adjudication par la résolution 2021-310. Alors, et la dernière résolution pour l'adjudication d'un contrat, c'est la collecte des matières résiduelles non recyclables, organiques, résidus verts et encombrants. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public concernant la collecte des matières résiduelles non recyclables, organiques, résidus verts et encombrants, deux soumissionnaires ont présenté une offre, soit les Concassés du Cap et les services Ricova Inc. Alors, je propose d'adjuger à les Concassés du Cap le contrat pour la collecte des matières résiduelles non recyclables organiques, résidus verts et encombrants sur le territoire de la Ville de Montmagny pendant la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029, selon les prix unitaires joints dans un tableau déposé à même la résolution. Alors, est-ce que je fais la description de tous les items, Mme Simard? Juste peut-être lire les titres, puis si les gens ont besoin d'informations supplémentaires, ils pourront nous demander l'accès. OK, parfait. Alors, c'est le prix par collecte pour l'enlèvement des matières résiduelles non recyclables, le prix par kilomètre pour le transport des matières résiduelles non recyclables, le prix par collecte pour l'enlèvement des déchets encombrants, le prix par kilomètre pour le transport des déchets encombrants, le prix par collecte pour l'enlèvement des matières organiques, le prix par collecte pour l'enlèvement des résidus verts, le prix par kilomètre pour le transport des matières compostables et les résidus verts, plus toute taxe applicable et le tout conformément aux documents d'appel d'offres et aux bordereaux de soumission déposés par l'adjudicataire. La dite soumission s'avère la plus basse conforme au devis. Les documents d'appel d'offres, le devis, la soumission et l'adjudicataire et la présente résolution constitue l'entente liant les parties. Alors, pour ces résolutions, je demanderai un appuyant, s'il vous plaît. Je peux appuyer, M. le maire? Oui, merci à vous deux. Donc, est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Merci. Donc, j'invite Mme Thibault, Mireille, à poursuivre avec 29 à 31. Monsieur le maire, est-ce que vous me permettez un petit écart au protocole? Oui, vous voulez revenir sur les déchets? Non, je veux juste remercier le directeur général pour son empathie. Me permettre de terminer la réunion sans trop geler. Alors, je remercie beaucoup. Et pour mes collègues, alors j'ai le privilège d'avoir l'aération. Alors, parce qu'il y a des gens qui se demandent pourquoi je porte toujours deux, trois foulards et que je décale un peu chez vous.
Oui, on partage la bouche. Eh bien, vous en avez moins que moi. Alors, moi, j'ai la générosité de tout l'avoir. Alors, merci, M. le directeur général. D'autres, on va enlever nos vestons parce qu'on commence à avoir. Oui, c'est ça. Madame Thibault, j'ai chaud. Bon, alors, excusez-nous pour cet écart au protocole, M. le maire. C'est correct. Alors, on va y aller quand même. Mais je voulais quand même le souligner parce que je l'apprécie. Alors, le point 29, alors on arrive maintenant au niveau du service d'urbanisme. Alors, mon collègue Jessie Croteau et moi avons le privilège de siéger au comité consultatif d'urbanistes. Alors, le point 29, on débute avec un PIIA pour le parc industriel 253e Avenue Sud pour l'ajout d'un quai de chargement. Alors, on se situe dans le secteur de Montel. Alors, considérant que la propriété est assujettie au règlement numéro 1260, relatif à l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale, c'est-à-dire le PIIA, pour le secteur industriel, et considérant que les travaux projetés et assujettis sur le bâtiment principal visent l'installation d'un quai de chargement et d'une porte de garage, considérant que le comité consultatif d'urbanisme base sa recommandation principalement sur les points suivants, alors on veut s'assurer d'un environnement et un cadre bâti de qualité pour le secteur industriel, que les travaux de modification des ouvertures ou d'agrandissement sur un bâtiment existant tiennent compte de la volumétrie des ouvertures, du style architectural et de toute autre caractéristique architecturale du bâtiment principal. Je propose donc d'autoriser la demande concernant la propriété située au 253e Avenue Sud visant à permettre l'installation d'un quai de chargement et d'une porte de garage, le tout conditionnement au respect des normes environnementales imposées au terrain en zone inondable. Le point 30, Monsieur le maire, alors je poursuis avec un PIIA pour le secteur érable du manoir et bâtiment d'intérêt patrimonial situé au 3236 Avenue de l'Église pour le changement des fenêtres. Considérant que la propriété était assujettie au règlement numéro 1260 relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale, ici mentionné le PIIA, pour le secteur érable, manoir et bâtiment d'intérêt patrimonial, considérant que les travaux projetés et assujettis sur le bâtiment principal sont la modification de certaines ouvertures extérieures, considérant que le comité consultatif d'urbanisme base sa recommandation principalement sur les points suivants, c'est-à-dire les détails architecturaux ne sont pas conservés, entretenus et restaurés, que le caractère patrimonial du quartier et des bâtiments d'intérêt patrimonial n'est pas préservé, je propose donc de refuser la demande concernant la propriété située au 3236 Avenue de l'Église visant à permettre le remplacement des fenêtres de la lucarne en chien assis par 5 fenêtres de la même dimension avec un carrelage en PVC blanc. Les ouvertures doivent être restaurées et non modifiées. Le dernier PIIA, alors le point 31, pour le secteur érable du manoir et bâtiment d'intérêt patrimonial pour le 180 rue du manoir pour un revêtement extérieur. Considérant que la propriété était assujettie au règlement numéro 1260 relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale pour un PIIA, pour le secteur érable, manoir et bâtiment d'intérêt patrimonial, considérant que les travaux projetés et assujettis sur le bâtiment principal sont la modification des matériaux de revêtement des murs extérieurs et la rénovation des ouvertures extérieures, considérant que le comité consultatif d'urbanisme base sa recommandation principalement sur les points suivants, les matériaux de revêtement extérieur s'harmonisent avec le cadre bâti, je propose d'autoriser la demande concernant la propriété située au 180 rue du Manoir visant à permettre le remplacement de la porte latérale en bois par une nouvelle porte extérieure blanche en PVC avec fenêtre, de remplacer les fenêtres du sous-sol par les fenêtres en PVC blanche et coulissante, sans modifier les dimensions des ouvertures et de permettre la réfection du revêtement d'amiante par un vinyle de couleur kaki en conservant les moulures de fenêtres actuellement en place. Je demande un appuyeur pour ces trois PIIA. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. 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 Donc, j'invite M. Croteau à procéder avec les deux prochaines. Juste une petite précision, des fenêtres en chien assis, là, pour ceux qui se posent la question. Oui. C'est une lucarne de petite dimension. Donc, c'est pour sur un toit à faible pente. Donc, c'est pour la ventilation. Le plus souvent possible, c'est pour la ventilation. C'est juste pour préciser, parce que... Merci, Jessie. Ils appellent ça aussi, on peut appeler ça aussi des lucarnes retroussées ou demoiselles. C'est ça qui est ça.
Donc, le point 32, M. le maire, je vais enchaîner avec la dérogation mineure au point au 298 rue Jean-Proux. Donc, des marges non conformes avant une vente. Donc, considérant que le comité consultatif d'urbanisme base sa recommandation principalement sur les points suivants. Donc, la demande a un caractère mineur. L'application du règlement aura pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur. Les travaux ont fait l'objet d'un permis de construction ou ont été effectués de bonne foi. La demande ne porte pas préjudice aux voisins et la demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique et la demande n'a pas pour effet d'atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être en général. Considérant que les travaux ont été faits de bonne foi, considérant que cela peut être dû au déplacement des tenants et aboutissants du lot lors de la rénovation cadastrale ou une erreur de construction, considérant que le refus de la dérogation porterait préjudice aux demandeurs, je propose donc d'autoriser la dérogation mineure concernant la propriété située au 298 rue Jean-Proux visant à permettre une somme des marges latérales de 5,27 mètres au lieu de 6 mètres pour le bâtiment principal, ainsi qu'à permettre une marge de recul arrière de 0,55 mètres au lieu de 1 mètre pour la remise. Donc, pour cette dérogation mineure, est-ce qu'il y a des questions dans la salle à ce sujet? Pas de questions. Donc, le point 33, c'est l'approbation d'une opération cadastrale au lot 3 000 601 909 pour l'ouverture d'une nouvelle rue. Donc, considérant l'article 3.9.1 du règlement de lotissement du numéro 1200 et ses amendements, précisant la procédure à suivre pour toute opération cadastrale ayant pour but de créer 5 terrains ou plus ou qui nécessitent l'ouverture d'une nouvelle rue. Considérant que l'opération cadastrale demandée via l'ouverture d'une nouvelle rue privée à partir d'une partie du lot 3 000 601 909, afin, entre autres, de régulariser l'accès au centre de la petite enfance Enfant Bonheur et au centre de réadaptation en déficience intellectuelle. Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme en date du 17 septembre 2024 à l'égard de ce projet d'opération cadastrale, puisqu'il rencontre les exigences des règlements et du plan d'urbanisme de la Ville. Je propose donc d'approuver le projet d'opération cadastrale en vertu du règlement du lotissement 1200 et ses amendements concernant la propriété située au 1824 Avenue Côté, soit le lot 3 000 601 909, visant à permettre l'ouverture d'une nouvelle rue privée. Donc, M. le maire, pour ces deux résolutions, je demande un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Oui, il y avait Marc qui avait joué la main, mais vous avez parlé en premier, donc Mme Boulay, M. Lefrançois, c'est correct. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. 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 Donc, j'invite Gabriel Brisebois avec les différents points de réglementation. Oui, le point 34 et le point 35, ça va ensemble. Le point 34, c'est une consultation publique concernant le second projet modifiant le règlement de zonage pour créer la zone ARD 31 à partir des zones AA2 et RB65 et régulariser les dimensions des zones AB4, SCM 9, RB65 et RC53. Est-ce qu'il y avait quelqu'un dans la salle qui était là pour cette consultation publique-là? Donc, si jamais il n'y a pas personne qui est là pour cette consultation publique-là, je tomberai au point 35 où je vais quand même expliquer ce qu'il en est pour que vous puissiez comprendre cette suite de chiffres et de nombres. Donc, grosso modo, il y a deux objets dans cette modification-là. On est situé sur les terrains à l'est du camping. Si jamais vous voulez un visuel, il y en a un qui est disponible dans les documents qui étaient ici. Mais vraiment, on est à l'est du camping, c'est le grand terrain qui va jusque sur la base Bretagne. Puis, on crée une nouvelle zone qui est la zone RD31 où on va pouvoir construire, entre autres, de l'unifamilial isolé, jumelé, unifamilial en rangée, bifamilial, trifamilial, 4 logements, 4 à 6 logements pour des nombres d'étages maximales de 1 à 3 d'une hauteur de 5 à 12 mètres. Donc, c'est la création d'une nouvelle zone qui est vraiment une petite zone qui est à l'extrémité, qui part de la base Bretagne, qui va jusqu'à le début des terres agricoles.
Donc, ça, c'est la première chose qui est la création de cette nouvelle zone-là. Et en même temps, bien, tant qu'à créer cette zone-là, on a régularisé toutes les zones autour pour qu'elles soient collées avec les lignes de l'eau des terrains. Parce qu'historiquement, on avait certains enjeux où il y a des lignes qui ont été faites qui n'étaient pas exactement collées après les lignes de l'eau des terrains des propriétaires. Donc, il y a des gens qui pouvaient se retrouver sur deux zones. Leur maison ou leur terrain était sur deux zones, ce qui devient difficile à gérer quand on a des demandes, par exemple, de dérogation mineure ou des analyses à faire. Donc, tant qu'à venir jouer puis créer cette nouvelle zone-là, on a simplement rectifié les zones aux alentours, qui sont la zone du camping SCM9, la zone qui est davantage à l'est, RB65 de la nouvelle zone qu'on crée, puis la zone RC53, qui est la zone au sud. Donc, voilà, c'est le sujet du projet de règlement pour ce secteur-là. Donc, est-ce que vous avez des questions? Non, c'est vraiment à côté du garage. Il y a comme une espèce de garage qui appartient au camping. Il y a la piste cyclable, il y a le garage. C'est le terrain qui commence tout de suite après le terrain du garage. Il y a comme une rue projetée là, qui n'a jamais été construite à cet endroit-là. Fait que oui, c'est proche de la rue Côté, finalement. Non, parce qu'il y avait un projet dans la rue Côté. Oui, bien, c'est dans ce coin-là. Okay. C'est pour aller vers le fleuve, mais en ce moment, il n'y a pas de y a rien qui est projeté. C'est juste qu'on crée une zone parce que ce secteur-là pourrait être constructible. Donc, si jamais il n'y a pas d'autres questions, bien, considérant l'assemblée de consultation qui vient d'être tenue, je propose donc d'adopter le projet de règlement joint à la présente et intitulé « Second projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1100 afin de créer la zone RD31 à partir des zones AA2 et RB65 et de régulariser les dimensions des zones AB4, SCM9, RB65 et RC53. » Donc, on est bien sûr sur la rue de la Basse-Bretagne. Au point 36, c'est l'adoption du règlement 1100-190 modifiant le règlement de zonage pour modifier les normes d'implantation du bâtiment principal pour la zone RB134 et de préciser les dispositions concernant les marges de recul pour le quartier Q2B. Donc, j'explique, on est sur le quartier Q2B, c'est la rue de la Seigneurie, celle qui fait un rond à côté de l'avenue Côté, là, dans le coin Édouard-Montpetit, la Durantais, Basse-Bretagne. Il y avait une des sections qui était dédiée à des jumelés deux étages. Puis finalement, le promoteur nous a indiqué qu'il y avait très peu de demandes pour du jumelé deux étages, mais beaucoup de demandes pour du jumelé un étage. Mais quand on fait du jumelé un étage, bien, ça fait que le carré de bâtiment est un petit peu plus grand. Donc, on change les normes pour les marges tout le tour du carré de bâtiment pour permettre d'avoir un carré d'habitation qui est quand même raisonnable, même si au départ le terrain était un peu plus petit parce qu'il était fait pour être construit en hauteur. Donc, ça touche 6 terrains qui vont pouvoir avoir du jumelé à un étage, donc répondre davantage aux besoins de notre population locale pour la construction là, de nouvelles habitations. Donc, je fais la proposition d'adopter ce règlement pour modifier les normes d'implantation du bâtiment principal pour la zone RB134 et de préciser les dispositions concernant les marges de recul et la marge de recul avant, pour lequel un avis de motion avait été donné à la séance du 15 juillet 2024. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion, conformément à la loi. Donc, pour ces deux résolutions, je vais demander un appuyeur, s'il vous plaît, M. le maire. Je vais appuyer, M. le maire. C'est parfait. C'est plus payant de parler que de lever la main. C'est ce que je comprends. Donc, merci, M. François, encore une fois, de vous porter volontaire. Alors, parce que je ne vois pas dans mon visuel de groupe. Il n'y a pas de problème, Mme Dallard. Merci. Donc, Mme Dallard, est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, on en arrive aux interventions des membres du conseil. Il y en a quatre. Mais je vais y aller dans cet ordre-là. Vous savez, chacun vos points. Il y aura Justine, après il y a. Comment? Gabriel avant, Mireille. Mireille. Puis et Gabriel. Oui, c'est Gabriel qui va le faire avant, pour la bibliothèque. Oui, c'est ça. Je passe okay, bien. C'est correct. Alors, donc, Justine dans un premier temps. Donc, mais c'est en lien avec la résolution tantôt pour le domaine public. Donc, j'invite la population à la grande marche du grand défi puis à la voix, qui aura lieu le 19 octobre. J'en parle tout de suite parce que la prochaine réunion publique
qui est à la fin octobre, donc après. Donc, le 19 octobre prochain, il y aura de l'animation dès midi au Parc Saint-Nicolas. Le départ va se faire au Parc Saint-Nicolas à partir de 13 heures. Donc, le comité organisateur cherche aussi quelques bénévoles. Donc, si vous voulez donner un coup de main, vous pouvez appeler au service des loisirs ici, puis ils vont prendre votre nom. Si vous êtes intéressé aussi à, ben, à faire la marche, c'est toujours un formulaire qui est en ligne. Vous allez sur le site de la ville de la Montmagny, et puis il y a l'onglet de la Grande Marche. Donc, vous pouvez vous inscrire en même temps. Donc, ça vous permet d'avoir le droit à un petit cadeau qui va vous être donné là, avant la marche. Donc, c'est une invitation. Le 19 octobre, à partir de midi, il y aura de l'animation, donc un petit, petit réchauffement. Puis après ça, ben, à 13 heures, la marche va débuter. Donc, ça part du Parc Saint-Nicolas et on fait une partie là, du circuit des Trois-Ponts. Bien, on fait le circuit des Trois-Ponts avec une petite déviation là, vers le jardin communautaire et revenir par le quai. Puis, on revient par le circuit des Trois-Ponts, mais l'autre côté de la rivière. Donc, c'est une invitation à tous. Puis, tant qu'à y être, M. le maire, oui. Il y a eu une parution dernièrement sur le Panthéon des sports. Donc, vous savez que depuis les fêtes 375e, le service des loisirs, bien, le comité des fêtes a instauré le Panthéon des sports et on va procéder à la nomination au mois de novembre prochain. Donc, si vous connaissez là, des gens, soit un athlète, une équipe ou un bâtisseur ou un organisateur ou une organisation d'événements bien, qui a contribué de manière exceptionnelle au sport à Montmagny. Donc, il reste à peu près un mois là, pour soumettre la candidature au Panthéon des sports. Donc, la date limite est le 20 octobre prochain. Et toujours sur le site de la municipalité, vous avez l'onglet Panthéon des sports. Donc, si vous connaissez des gens, bien, peut-être leur en parler s'ils veulent soumettre leur candidature. Donc, j'invite la population à suivre ça. Puis, au mois de novembre, il y aura une deuxième intronisation au Panthéon des sports à Montmagny. Donc, merci, M. le maire. Oui, merci. Intéressant. On va être présent. Donc, on y va dans la suite des choses. Merci. Deux petits sujets pour moi. Le premier, Jessie, est-ce que je peux te demander un service? Est-ce que tu veux montrer le petit livre? Que le baisse de chauffage ou non, tu l'as en main. Donc, on avait adopté une résolution pour faire la promotion de la sécurité ferroviaire du 23 au 29 septembre. Donc, pour la deuxième année, ces petits livres-là vont être transmis à tous les élèves des écoles primaires de la ville de Montmagny ainsi que pour les groupes 4 ans des CPE. Puis, il y a également des copies qui seront à la bibliothèque et des copies qui ont été données à Montmagny Accueil pour s'assurer de rejoindre le plus large bassin possible. Donc, c'est un petit livre qui est proposé par l'organisme Gare au train qui fait la promotion de la sécurité ferroviaire. On sait que le train traverse littéralement notre ville. Donc, on en profite chaque année pour rappeler au CN qu'on aimerait ça une diminution de la vitesse de nos trains qui passent en plein milieu de la ville, tant qu'à faire passer de résolution. Puis, on invite les parents, même les grands-parents, les membres de la famille qui verront ce petit livre-là apparaître dans les sacs d'école ou au retour du service de garde, bien, d'y jeter un œil avec leur enfant pour aborder les consignes de base de la sécurité ferroviaire avec leurs enfants. Parce que bien, peut-être que tout petit, ils se promènent encore avec leurs parents, mais en vieillissant, ils auront plus d'autonomie puis de garder en tête les consignes de base, mais ça peut sauver des vies. Donc, voilà pour notre petit point sur la sécurité ferroviaire. Et je poursuis en vous invitant au 10e anniversaire de la bibliothèque de Montmagny. Donc, en fin de semaine, ce samedi, la bibliothèque va officiellement souffler ses 10 bougies. Il y aura des activités tout au long de la journée. Donc, à 10 ans, c'est à 10 ans. Elle aura 10 ans. Et à 10 heures, il y aura une inauguration officielle puis un goûter d'anniversaire. Donc, parce qu'on est un petit peu... on a décidé d'être délinquants pour le 10e anniversaire. On vous invite à manger du gâteau à 10 heures le matin. Donc, avoir du plaisir collectivement avec nous. Puis, par la suite, il y aura des activités familiales tout au long de la journée. Donc, il y aura une conteuse en résidence qui va nous plonger dans l'univers magique des histoires, des ateliers créatifs. Et durant l'après-midi, il y aura également un atelier interculturel d'initiation à la danse, des prestations musicales des élèves de l'École internationale de musique de Montmagny, des visites guidées de la bibliothèque. Donc, c'est une belle occasion de découvrir ou redécouvrir notre bibliothèque qui est un joyau au niveau de la région. Puis, on espère vous voir en grand nombre. Et il y aura une activité en parallèle à la bibliothèque qui sera vraiment, vraiment intéressante. Et je laisse ma collègue Mireille en parler. Alors, merci, Gabrielle. Alors, effectivement, on invite toute la population à partir de 13 heures pour un grand moment.
parce que, puis le conseil municipal peut avoir une grande fierté à vous partager, parce que ce sera le lancement de la première, de notre politique EDI. Alors, la politique EDI étant égalité, diversité et inclusion. Si on se souvient bien, au mois de février dernier, le conseil municipal a adopté par voie de résolution la dite politique. Et c'est un comité qui avait été mis en place depuis 2022. Monsieur le maire et ma collègue Gabrielle, et un petit clin d'œil à un collègue qui était avec nous au départ, Marc Langlois. Alors, on a déposé cette politique-là, le conseil l'a adoptée. Maintenant, on va se faire un plaisir de la partager à toute la population. Alors, ce samedi, après le gâteau, nous aurons le privilège à la bibliothèque de vivre ce lancement-là. Et entre autres, durant l'après-midi, la population qui viendra partager ces moments-là. Ma collègue Gabrielle parlera un petit peu de la politique et moi, je parlerai un petit peu du plan d'action qui en découle de cette politique-là. Mais par la suite, vous aurez le privilège d'entendre ou d'échanger au niveau de la bibliothèque humaine où les gens pourront réserver un livre humain et discuter avec une personne pendant quelques instants à la bibliothèque, mais de la politique des actions avec certaines personnes. Donc, je vous invite en grand nombre. Et pourquoi la ville peut être fière? Parce que, un, elle a assumé son leadership. Mais rappelez-vous une chose, nous sommes la première ville en Chaudière-Appalaches sur 136 municipalités, si le nombre est exact. Alors, la population peut être fière de son conseil municipal. Donc, toi, Mireille et Gabriel, avec Nancy... Oui, puis de l'équipe de l'administration. Du comité, dans le fond, et plusieurs autres personnes de l'extérieur, oui, l'arc-en-ciel et des gens Mais du carrefour. Je parle des gens ici sur ce comité-là. Oui. Merci d'avoir amené ce projet-là à terme. Donc, on en arrive à la période des questions, où il y a deux personnes qui sont ici présentes pour les questions. Donc, vous connaissez comment ça procède, il y a des habitués. Alors, s'il y a des questions, s'il n'y a pas de questions, on va procéder à la levée de la séance. Donc, pourquoi on va y aller? Je ne sais pas pourquoi on va y aller, La prochaine réunion. Oui, on est d'accord. Monsieur le maire, vous me permettez d'annoncer la prochaine réunion va se tenir le 28 octobre. Oui, la réunion est finie. Merci. Merci.